Ah bah vous voyez, j'ai pas pu vous le cacher bien longtemps, hein. Avec les hommes, hein, c'est pas la folie, hein, c'est pas une réussite. Mais bon, je sais pourquoi, hein, pas d'inquiétude, j'ai vite compris, c'est parce que je suis pas faite pour la vie à deux. Voilà. Et je crois qu'en fait, il y a deux catégories de femmes dans la vie. Je crois qu'il y a d'un côté les femmes faites pour la vie à deux, douées pour ça, et de l'autre, les femmes douées pour autre chose. Voilà, le Scrabble, le tennis, ce que vous voulez. Et moi, je suis là, en fait, je suis de ce côté. Parce que je suis assez bonne en orthographe. Et je pense que c'est pour ça, du coup. On peut pas tout avoir. Donc ils se sont dit à la genre orthographe, on va pas lui coller les mecs en plus. Ça ferait trop, bien sûr, ça énerve les gens après, évidemment. Voilà, voilà, mais enfin, j'écris bien, c'est déjà pas mal. Je fais jamais de faute, c'est de la folie. J'écris, pas de faute. Motus. Beaucoup de chômeurs dans la salle. Et... on va dire, oh. C'est 11h les gars, réveillez-vous. Hein. Bon, enfin bon, moi je suis contente d'être dans cette catégorie, hein. Ça me va très bien, parce que franchement, entre nous, elles m'énervent les filles douées pour la vie à deux. Oui, allez, allez. Elles sont toutes douces comme ça, allez, allez. Elles sont fragiles, oh je suis douce, mon Dieu. Oh, là. Oh, elles sont d'une douceur, on dirait des paquets de coton hydrophile avec des cheveux. Si, du Moltonel, ouais, du Moltonel. C'est ça, du PQ, en fait. Non mais c'est vrai, il y a un problème avec ça. Non mais les hommes choisissent des femmes parce qu'elles sont douces. Donc elles s'achètent un furet, on s'en fout, c'est pareil. Je suis là. Bon, je dis ça parce que je suis jalouse, hein, j'arrive pas à être comme elles, c'est pour ça. Non mais c'est parce qu'elles sont très douces, les filles douées pour la vie à deux, et elles sont aussi très discrètes, j'ai remarqué, elles parlent jamais. Par exemple, si elles sont dans une soirée où il y a plein de monde, et ben vous la repérez facilement, elle est comme ça, elle est douce. Elle parle pas. Nada. Oh, je suis trop douce. Des fois, je les regarde, je me demande si elles ont conscience de ce qui se passe autour d'elles. Peut-être pas. Non, peut-être qu'elles se disent juste « Oh là là, il y a du monde !» C'est dingue. C'est dingue que mon canon cette soirée n'empêche. J'ai de la folie. Pourquoi elle me regarde comme ça depuis tout à l'heure? Elle me dit quelque chose. Ah, mais c'est un miroir. C'est dingue, hein, la capacité volumique qu'elle fait, cette pièce, en tout. Combien on peut être en tout? Plus avec tous les miroirs, ça double. Je vais compter parce que sinon, ça va m'énerver. Et peut-être qu'elles font ça toute la soirée, en fait. Peut-être qu'elles nous comptent. C'est pour ça qu'elles parlent pas, pour pas perdre le fil. Vous regarderez la prochaine fois si elles font ça un moment. C'est pas la musique, hein, c'est le comptage. Il y a un autre truc aussi qu'elles font très peu, j'ai vu. Donc elles parlent peu, ça c'est fait. Et elles boivent peu. D'alcool, hein. Oui, parce que sinon elles boivent normalement, bien sûr, elles s'hydratent, hein, évidemment. Oui, sinon on meurt. Mais elles boivent des jus de fruits essentiellement. Et puis toujours des fruits qu'on connaît pas, toujours des fruits chiants, toujours. Ah mince, vous avez plus jus de goyave. Bon ben, mettez-moi papaye alors, c'est pas grave, ouais, merci. Toujours des fruits qui n'existent pas, je sais pas pourquoi. Bon, il leur arrive de boire de l'alcool, hein, de temps en temps, j'exagère. Si, les jours de fête, hein, bien sûr. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est toujours le même alcool avec elle. C'est sans surprise, c'est toujours la même chose, c'est le Kir Royal. Tout le temps, hein. Ah, ça rigole moins, les filles en bas. Elles sont comme ça. Ah ouais, Kir Royal, ouais, c'est drôle, quoi. Non mais le Kir Royal, c'est la boisson officielle de la fille en amour. C'est un peu leur sponsor à elle. Hein. Oh, Muru Cassis. Oh, je sais pas, deux secondes. Il y a pas le feu au flac. Alors, bon, Muru Cassis. Pêche. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent dans ce kir, mais... il y a toujours un truc qui se produit, mais ça c'est imparable, hein. Au bout de la deuxième gorgée, on y a toujours droit. Deux gorgées. Oh, je suis pompette. Oh, ça tourne. Oh là là. Oh. Oh.
pompette. Moi, je suis jamais pompette, je suis toujours bourré. Hein. Ah, moi, je passe pas par pompette dans les étages, pas dans les paliers. Je suis directement bien déchiré, moi, comme ça craque. Je sais pas ce que c'est de pompette, en fait. Peut-être si je bois que les glaçons dans ma vodka, non? Mais ça doit être sympa d'être pompette, j'aimerais bien. Si, parce qu'elle rigole beaucoup, quoi, son pompette. Elles ont toujours un petit rire, très discret. Hein? Ah oui, pas de... Comme ça, non. Non, non, c'est toujours un tout petit rire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand elle rit, il n'y a aucun son qui sort. Mais elles font exprès, je pense. Hein. C'est par prudence qu'elles font ça. Elles rient en silence parce qu'elles l'ont décidé. Hein. C'est mieux. Ça, par exemple, si elles ne rient pas au bon moment, c'est moins grave. C'est juste pour ça. Passer pour autre chose. Sinon, il y a un truc aussi qu'elles font beaucoup pour séduire les hommes, j'ai vu, c'est le secouage de cheveux comme ça. Elles secouent les cheveux comme dans la pub Fructis. Je sais pas pourquoi elles font ça tout le temps. Peut-être qu'elles se disent, il faut que je fasse bien tout comme à la télé pour que le shampoing fasse bien effet. C'est comme dans la pub. Il faut que les acides de fruits descendent bien jusqu'aux pointes. Sinon, ça marche pas. Non, moi j'arrive pas à faire ça, ça m'énerve. J'essaye, ça fait comme ça, alors évidemment, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ça n'a pas d'impact sur les hommes. Ça sert à rien. Non, bah là, en bourré avec une vodka, comme ça, ça marche pas. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Faut pas le faire d'ailleurs, hein, surtout. Ah, ça marche pas, ça, c'est pas. Enfin, ça marche pas, oui, non, si. Si, ça peut marcher, hein, bien sûr. C'est... Oui, si, ça marche même très bien. Si. Mais avec le chanteur de Gold, juste.